Ouais, ça y est, tu peux arrêter, mon frère, ou quoi, là? Pourquoi tu fais l'handicapé comme ça, mon frère? Arrête de crier, frère. On est dans un chauffeur Uber, là. On se dirige à Paris. Le bébé, c'est brûlé, monsieur. Si vous pouvez juste faire un commande brille. Monsieur, ça vous dérange pas si on vous attrape par les cheveux? Mais non, mais monsieur, on rigole, monsieur. On rigole, monsieur. On a payé, monsieur. Ouais, on a payé comme un chauffeur privé, monsieur. Débrancher R2D2. Pourquoi tu fais l'handicapé comme ça, mon frère? Arrête de crier, frère. On arrête, monsieur, la tête dehors, on rigole, on arrête tes bêtises. En fait, vous prenez vraiment pour un... Non, monsieur, on en rigole. C'est lui qu'il faut déposer à la station d'essence, monsieur. Moi, j'ai rien fait, moi. C'est le blanc, là, qui se révolte. Non, mais monsieur, on rigolait. Monsieur, pourquoi vous arrêtez la station d'essence? Non, monsieur, on rigole, la tête dehors, c'est bon, rigoler. Depuis tout à l'heure, tu dis la dernière, en fait, tu continues à crier. Non, c'est la dernière. Toi, c'est lui, monsieur, qu'il faut descendre. Non, s'il vous plaît, non, monsieur, on arrête. On peut faire juste un dernier cri, on arrête. 1, 2, 3. Non, quel point, c'est le petit coup. Oh putain, t'as mis toute ta base, putain. C'est vrai, la fille que tu vas voir demain, on est bien d'accord, c'est juste une confidente à qui tu racontes tes problèmes. Bah ouais, c'est juste une confidente. À la base, quelqu'un toujours en slip. Là, hier, j'avais chaud, donc j'ai dormi nu. Et le mec, il s'amuse à faire quoi? Il s'amuse à toucher mes fesses, il me dit, hey, Jawed, tu vois? Il me dit, t'as les fesses froides. Allô? Hein? T'entends pas? Hein? Ouais, je suis au taxi! Hein? Ouais, je suis au taxi là! Hein? Là, tu m'entends mieux là? Hein, d'accord, vas-y, j'arrive! J'arrive tout de suite là! D'accord! Qu'est-ce que vous arrive, monsieur? Vous pouvez parler moins fort, s'il vous plaît? Je suis au téléphone, monsieur. J'ai pas hyper de mon tampon, moi. La personne qui est au téléphone, il entend mal. Là, moi aussi, je vais devenir sûr à cause de vous. Bah, je vais baisser un peu la voix, d'accord? Tu veux parler à Kenny? Tiens. Ah, et ouais, il est avec moi. Ouais, je vous entends bien là? Allô? Allô? Oui! Allô? Allô? Mais oui, je fais ce que vous voulez, mais excusez-moi, c'est pas comme ça. Comment ça, c'est pas comme ça, monsieur? Un peu de respect pour le chauffeur. Allô? Mon copain, il entend mal. Allô? Il entend mal, je crois. Allô? On va te rappeler après, d'accord? Hein? Là, parce que le chauffeur de taxi nous a demandé de fermer nos gueules! Vous avez pas dit de fermer vos gueules? Vous avez dit quoi, monsieur, il y a quelques instants? Je vous ai dit, parlez moins fort, s'il vous plaît. Non, t'as entendu, s'il te plaît? Non. Voilà. Allô? Je vous ai parlé gentiment. Je vais pas m'énerver. Ah, il nous appelle. Tu devrais en désoler, hein. Allô? Ah, c'est encore toi. Ah, voilà, mais. Ouais, mais augmente ton son là. Hein? Comment ça, on peut pas te parler? Non, c'est le chauffeur de taxi. Il nous a dit raccrocher le téléphone et arrêter de parler au téléphone. T'as entendu, il a rigolé. Allez, bonne journée, hein. Ah, mais le mec, ouais. Il est sourd. Il entend jamais rien, ce bâtard. On ment pas, monsieur. On dit la vérité, hein? Ils branlent rien de leur journée, ils sont assis sur un fauteuil, bien à l'aise avec la clim et tout ça, et monsieur ne laisse pas la liberté. Ben, si vous voulez, je vous laisse ma place. Par contre, bonjour les excès de vitesse, hein. C'est un peu le bordel, mais on est drôle. Imaginons, tout à coup, il y a un truc qui se déclenche en moi, et moi et mon ami, on se met à vous insulter. Qu'est-ce qui se passe? Lucas, c'est notre gueule, même sur les clients. Si vous me respectez, ok. Si vous me respectez pas, je vais pas vous respecter. Oh, ils sont à l'autre ton là. Oh. On n'est pas en Irak, monsieur, là. On est en Syrie. Voilà, ça, on arrête nos bêtises, monsieur. Promis, ça y est, promis, ça, on arrête, d'accord? Ça y est, on arrête. Laissez-nous crier une dernière fois. Dernière fois. Ouais, d'accord, c'est bon? Là, je me suis mal exprimé. Là, je vous le jure, c'est la dernière des dernières. Non, vous savez quoi, la dernière des... Vous savez quoi? De ma mère, c'est la dernière. Je vais me casser les couilles. Go! No! Je suis dans un Uber et je vais essayer de le rendre fou. J'ai failli annuler la course, monsieur, tout à l'heure. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Quand on commande une course sur Uber, ouais. On affiche le profil. Bah, en fait, dès que j'ai vu votre profil, bah, j'ai vu que vous avez une sale tête. Ah bon? Ouais, bah, ça arrive, hein, c'est rien de méchant. Ouais. Ça y est, je suis pas mieux, mais je trouvais que vous avez une salle de une tête de psychopathe. C'est pour ça que j'ai hésité. Ah bah, ça fait plaisir à entendre ça. Je vous dis ce que je pense, hein. Sans l'effet de l'alcool. Oh
problème. Agent. Pas de problème. Ça vaut durer d'ouvrir la fenêtre? Fais vite, s'il te plaît. T'es sûr que t'es agent, toi? S'il te plaît, vas-y, rien que. Est-ce que t'es agent? T'es sûr que t'es agent? Ouais, je suis agent. Tu peux la refermer, s'il te plaît? S'il te plaît, vite. J'ai pas entendu le mot que tu m'as dit après. J'ai dit, est-ce que tu peux refermer la fenêtre, s'il te plaît? Et après, tu m'as dit quoi? S'il te plaît. Après, tu m'as dit quoi? Rien. Tu m'as dit vite, non? Ah non? Non, j'ai dit vite, roulez plus vite un peu, c'est tout. Le permis, vous l'avez eu du 10e coup? Ah, du 10e, ouais. Ah non, 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 j'ai pas dit ça, vous roulez très bien. Ça vous arrive que des fois, il y a des clients, quand vous prenez des clients et qu'ils vous disent, vous avez une tête à. Quand on vous voit, on a envie de mettre des tartes, mais pas méchant. Ouais, là, c'est. Là, pas une petite claque. Tu utilises un petit truc? Ouais. Tu vois, depuis tout à l'heure, ouais. Je laisse parler, t'es en train de me casser les couilles, tu vois, je te dis rien. Mais continue encore un petit peu, tu vas voir. Je vais voir quoi? Tu vas voir. Je vais voir quoi? Continue, je vais te montrer, tu vois. Laisse-moi travailler tranquille, laisse-moi conduire. Assieds-toi au fond de ton siège, arrête de parler. Vous faites le métier le plus simple au monde, prendre un volant et conduire, regardez comment vous parlez. Là, c'est de la poubelle que je suis en train de ramasser là. Limite des boueurs, c'est mieux là. Là, c'est de la poubelle là que j'ai derrière moi là. Vas-y, ta gueule, roule. Moi, je vais m'arrêter à la prochaine sortie, je vais te montrer ta gueule, c'est quoi. Vous êtes pas chiche, fais de la gueule. Là, j'ai peur de rien, monsieur. Sur la vie de ma mère, je vais te défoncer. Bah, défoncez-moi ici. Continue à parler. Regarde, je vais pas parler, je vais te niquer directement. Attends. Moi, je pensais que c'était un bon conducteur. Moi, un bon conducteur peut faire deux choses à la fois. Il peut conduire en une main. Je peux conduire et je peux te niquer ta race aussi. Ouais, là, dans 1000 mètres, je m'arrête. Faites pas chiche. Faites la gueule. Ah, mais je rigolais, monsieur. Non, y'a pas, je rigole pas là. Monsieur, je rigole. Tu sais quoi, sors. La tête de ma mère, je rigolais. Sors, tu vas sortir, ça y est. Allez, j'en ai marre. T'as 4 pleins d'un Uber, t'as 4 pleins d'un qui, tu veux aller hop. Mais je rigolais, monsieur. Sors. Non, je m'en bats les couilles, sors. Je m'en bats les couilles. Bon, sors ou je te sors. Vas-y, c'est bon, sors. Il m'a déposé dans une station d'essence, fils de pute. Putain. J'ai rendez-vous avec une maman là, au bar, et on va boire un verre. En ce moment, je suis beaucoup à Paris. Excuse-moi de vous raconter ma vie. Je rencontre beaucoup de mamans et. C'est bien ça? Ah oui, c'est bien. D'ailleurs, justement, par rapport à ça, je peux me permettre, avec tout le respect que j'ai pour vous, votre mère est célibataire. Vous êtes comique, vous êtes drôle, vous faites des blagues? Non, du tout. C'est juste une question parmi tant d'autres. Hein. Enfin, je sais que c'est une question qu'on vous pose pas souvent, monsieur, mais voilà quoi. Là, vous voulez voir ma mère là? Non. En fait, vous foutez de ma gueule là. Non, du tout, monsieur. Je vous ai juste posé une question. Je vous ai juste demandé si votre mère est avec quelqu'un dans la vie ou pas. C'est pas dit que j'allais rencontrer votre mère. Il manquerait plus que ça, monsieur. Ma mère, elle a mon père. Et très, très bien. J'ai pas besoin de vous raconter plus. Pour vous, ouvrez un peu. Non, vous foutez de ma gueule en fait. Non, vraiment, non, avec tout le respect que j'ai pour vous, non. Par contre, vous pouvez ouvrir juste un peu la fenêtre parce que je sens qu'il y a une odeur vers vous. Merci infiniment, merci. Vous pouvez la refermer vite, s'il vous plaît, vite. Refermez-la. Dans la mise à part ça, vous, ça va? Vous êtes le premier client qui m'a perturbé autant là ce soir. C'est vrai? J'ai jamais vu ça. C'est la première fois qu'on parle de la sorte. Je comprends pas en fait votre réaction. Je sais pas si c'est une blague ou ça. Non, du tout. Ouais, mais parlez pas comme ça à vos chauffeurs, parce que nous on est là, c'est pour vous. Ouais, mais monsieur, on vous paye. Déjà, vous êtes payé à branler rien du tout. Vous êtes assis sur une chaise, sur un volant, en train de conduire, et vous considérez comme vos. Mais tu t'es pris pour qui, toi, en fait? Tu t'es pris pour qui? Et là, déjà, tu montes à l'avant. Déjà, sur un autre ton. Alors, Non, déjà, toi, tu me parles sur un autre ton, parce que là, t'es en train de critiquer ma profession et tous mes collègues, donc tu me parles pas comme ça. De deux, normalement, tu montes à l'arrière, et là, t'as décidé de monter à l'avant. Déjà, t'es casse-couille avec la fenêtre, t'es casse-couille avec tout. Donc, soit je te dépose, soit tu descends maintenant, là, tout de suite. Silence, c'est mieux, je pense aussi. Non, c'est bien ce qui me semblait, en fait. Je pensais qu'il y avait une odeur, mais en fait, c'est votre bouche. Il y a une haleine. Oh mon dieu. C'est pour ça que j'ai pas osé parler, quoi. J'ai retenu ma respiration. Enfin, bref, j'aime bien quand vous vous soumettez comme ça. Ah, c'est bon, je rigole. Là, on vous a niqué, hein. Là, on vous a niqué. Je suis sûr que. Y a beaucoup d'entre vous qui ont cru. Quand t'as l'argent, fais ce que tu veux à Paris. Tu te prives de rien. Ouais, mais tu sais, sur ce, les fins, on est sur cette fin. Y'a un burn comme ça pour l'instant. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao. Oui. Ciao.